Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Je reviens aujourd'hui concernant la vidéo sur les petites filles foulardées où j'ai vu qu'il y avait du monde qui était un peu choqué sur certains aspects et les commentaires que l'on m'avait fait. Donc j'estime, je le dis et je suis certaine que le problème c'est ça, c'est la lâcheté de beaucoup d'imams, de théologiens qui vont le dire autrement mais qui ne vont pas prendre leurs responsabilités réellement pour dire que c'est une bida. Donc c'est-à-dire en réalité, si je comprends bien moi, de mon point de vue, c'est toujours à l'Arabie Saoudite, Sahab al-Qatar, de donner le la et de dire ce qui serait censé être bid'a, pas bid'a. Et voilà quoi. Donc finalement, tant qu'on n'osera pas prendre nos responsabilités et être tranchant, clair et net quant à ce que pensent réellement beaucoup de théologiens ici en Belgique, parce que faut pas croire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de débiles parmi les imams. Ça, c'est vrai. Il y en a beaucoup, hein. L'imam Khatabi et consorts. Mais quand quelqu'un qui parle comme ça, lui, il doit déjà dégager. Il n'a rien à faire ici. Hein. Moi, je suis très claire. Hein. Il n'a rien à faire ici. Il ne respecte rien. Vraiment. Et c'est des genres d'imams qui nous mettent plus le désordre qu'autre chose. L'imam Khatabi en France. Ici, il y en a d'autres aussi en Belgique, ici. Donc ils sont dans leur monde, donc ils sont avec le logiciel du bled. Donc ça, faut pas le prendre mal quand je dis ça, parce qu'il y a des gens au bled et des imams et des très bons imams au pays, hein. Des bons imams. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on entend le plus ou qui font trop parler d'eux. Ils font un travail de fond et c'est un peu comme ici aussi. Il y en a beaucoup qui sont bien, qui font un travail de fond et qui sont pas connus, qui sont pas médiatisés, qui partagent... Ils vont le dire autrement, tout simplement. Ils vont le dire autrement. Mais maintenant, on arrive à un seuil. Donc, quand on voit, par exemple, ici en Belgique, le parti islam, d'un côté le politique, d'un côté des imams qui sont très lâches. Parce qu'ils pensent d'abord à qui ? Ben, à leur audimat, ils pensent d'abord... Ben, je suis très cru, hein. Ils pensent à leur audimat avant de penser réellement aux enjeux. Ils pensent à leur paye. Ils pensent à leur paye et ils pensent à leur place. Vous voyez ? Il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils vont se taire parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes avec la justice. Pas avec la justice en réalité, parce qu'ici, la liberté d'expression... est garantie en France et en Belgique en réalité, mais en réalité ils ont préféré le confort à l'inconfort, de sortir de leur zone de confort, vous voyez. Donc ils vont pas en penser moins, ils vont le dire autrement, mais faut oser dire les choses. Je veux dire, c'est pas aux gens de l'étranger de venir nous donner le là. Donc pour revenir aux petites filles voilées, ça n'a ni queue ni tête. Ni queue ni tête. À la limite qu'elle se châle, puisque je vous ai expliqué la validité, soi-disant, du châle de la femme musulmane, qui pour moi n'existe pas et qui est une usurpation totale. C'est traditionnel à la base, et c'est des femmes matures, majeures, avec un état de conscience de libre arbitre. Pas des jeunes filles sous l'influence et le dictat des parents. Quoique l'éducation, en tant que parent, on doit être libre de pouvoir éduquer nos enfants, oui. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi et utiliser la religion. Parce que sur un plan théologique, tout ce que vous dites est faux. Par rapport à la femme, la jeune fille voilée. T'as aucun droit déjà en tant que père, parce que je m'adresse au père. Théologiquement déjà, sur la femme, t'as aucun droit. Théologiquement, islamiquement parlant, t'as aucun droit. T'as aucun droit. Ce que les gens nous disent et les imams nous disent théologiquement sur la femme, par les droits de l'homme sur la... Il n'y a aucun droit. On est libre devant Dieu. D'accord ? On est égaux. Et tout ce qu'ils nous ont baratiné, il faut leur régler leur compte, les imams.
et les théologiens parce que les femmes, elles se sont trop tues. Et maintenant, ça va être à nos filles. Et on va les déscolariser. Là, moi, j'appelle les femmes musulmanes. J'appelle les femmes musulmanes à se lever sévèrement contre ces conneries-là. Parce que ce que nous, on a dû endurer, ou nos grands-mères, ou avec tous les débiles, parce qu'on a été trop gentils, on s'est tués, il est hors de question qu'on le fasse à nos filles. Il est hors de question qu'on fasse vivre ça à nos filles. Et par la lâcheté de certains hommes qui en pensent pas moins, mais qui se taisent, et j'appelle les hommes musulmans vraiment qui sont exactement dans la même vision et qui sont pour la liberté de la femme, de nous soutenir et d'arrêter d'être dans cette lâcheté de solidarité masculine pour pas qu'on a toi t'es pas un homme et des conneries pareilles. C'est l'enjeu, il est toujours à ce niveau là, il est pas ailleurs, il est dans l'ego de l'homme, il est dans l'ego de l'homme. Et ben mon vieux, il y a pas que toi, il y a pas que ta petite nature qui compte, tu vois. Et ta petite fille, d'accord, tu lui donnes une éducation, oui, que ce soit sa mère, elle est dans le droit de lui donner l'éducation. Ben ça, tu la chales et que tu me sors le prétexte d'Aden, tu l'habitues comme un chien, un caniche, que tu lui mets la muselière, que tu l'habitues à faire son caca dans un coin. Zama, tu vas lui donner la bonne éducation en lui mettant le foulard, mais t'as oublié le fond. Le fond, t'es dans la forme, t'es pas dans le fond. Donc moi, choque un petit peu comme ça avec vous. Mais je m'en fiche, je suis arrivée à un seuil. Il y en a marre la gentillesse. Il y en a marre la gentillesse. Trop bon, trop con. Moi je parle comme ça maintenant. Il y en a marre d'être aimable, il y en a marre d'être gentil, de faire des sourires niais, de dire Inch'Allah, Inch'Allah, t'qa'do bena. Nos petites filles, elles n'ont pas à mettre le foulard. Zéro foulard. Ni à l'école, ni ailleurs d'ailleurs. D'accord ? À la limite, elle rentre à la mosquée, elle se met un petit foulard, oui, bon. Oui, mais dans la rue, elle n'a pas à circuler avec des petits foulards. Elle n'a pas à circuler avec foulard dans la rue. La petite, hein, je parle de la petite, je ne parle pas de la femme majeure, en état de conscience, qui est libre, d'accord? Qui a le libre arbitre. Je parle des petites filles. Quand tu as 17 ans, tu es en mesure... Quand la jeune fille, à 16-17 ans, on accepte et on conçoit qu'elle soit musulmane ou non, qu'on conçoit qu'elle puisse avoir des rapports sexuels, alors tu viens pas me parler de mon foulard. Tu viens pas me dire que c'est pas mon droit de mettre un foulard. Quand tu donnes l'autorisation aux gens inconsciemment, aux jeunes filles, 16 ans, de concevoir qu'elle puisse avoir écarté les jambes et à avoir des rapports sexuels. Si elle est capable d'ouvrir ses cuisses, elle est capable de choisir si elle peut mettre un foulard ou non. Voilà, je pars de ce principe-là. Alors je suis dure dans mes propos, mais il y en a marre du cinéma, il y en a marre. D'accord ? Donc on va au cœur des choses, on ne perd pas de temps, c'est l'essentiel. Alors après, ce qu'on pense de moi, c'est le dernier de mes soucis. Le dernier de mes soucis. Maintenant, il faut traiter les problèmes de fond, efficacement, rapidement, sans langue de bois. D'accord ? Qu'on arrête là et qu'on dégomme tous les gollums là, tous les débiles. Il y en a marre la gentillesse. Et je vais vous parler d'une autre notion. Bon, je vous dis, hein, je suis dans le... Je vais vous parler d'une autre notion, la notion de Ouma et la notion de justice. La Ouma, ça n'existe pas dans le sens où on le comprend. La Ouma, c'est rien d'autre que sa citoyenneté. Soi-disant, la solidarité avec les musulmans. Il ne peut pas y avoir solidarité avec les musulmans quand il y a en parallèle il y a la justice. Pourquoi ? Parce que la justice fait fi de la personne, qu'elle soit musulmane ou non. Donc, par définition, si on doit juxtaposer Ouma et justice, c'est antinomique. Il ne peut pas y avoir solidarité avec la Ouma quand on est censé être dans la justice. Pourquoi ? Parce que la justice prévaut que la personne soit musulmane ou non. Donc cette solidarité, soi-disant, de la Ouma, c'est des débilités. Débilité totale. C'est la Ouma, c'est rien d'autre que sa citoyenneté. Prendre sa place dans la société, avoir une solidarité, c'est-à-dire contre l'ennemi qui met l'État en danger. Voilà. Voilà, qui met la nation en danger. La nation, toute confession, on s'en fout. C'est la citoyenneté, là, au moins. C'est rien d'autre que ça. Voilà, ça, je voulais éclairer un peu. Moi, c'est ça que je comprends, des choses. Et alors, il y en a, il dit, ouais, pourquoi tes interprétations? Tu crois que tu avais la vérité absolue? Je dis, pour l'instant, on nous a vendu que la vérité absolue des autres. Je vois pas pourquoi, moi, mon interprétation, elle serait pas valable. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont fait l'Azhar,
ils ont fait le hadj. Il t'a mis le kamis, la beubar, la barbe, je te parle. Que tu parles comme des gens de cité. Et ben, moi, j'ai jamais vécu dans des cités. Mais je connaissais des gens qui. Et alors? On parle notre langage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je te parle la langue de Molière? Je suis pas sûre que tu suives. Lis Tolstoy. Tolstoy. Lis. Déjà, lis, prends. Regarde les bouquins que tu as déjà à la maison avant de parler de mon langage. Moi, je parle du fond. Il faut que les gens comprennent ce qu'on leur dise. Il n'y a pas besoin de prendre des allures de pseudo-intellectuels coincés du 16e arrondissement pour. Qu'est-ce qu'il y a? On parle normalement. On est vécu dans des quartiers riches ou non. C'est pas ça le problème. On peut parler poliment, bien sûr, mais ça dépend avec qui. Et il faut déjà qu'on est déjà intelligent en face de nous pour garder son calme et parler gentiment. Mais à un moment donné, c'est fini, hein. Faut parler brut pour que les gens prennent conscience un petit peu de. Et aussi, c'est pour casser le cliché de la femme musulmane, mashallah. T'as envie de me rentrer dans le moule que les autres m'ont confectionné. Ben moi je te fais de la défragmentation avec mon attitude, c'est bien. Tu vas comprendre que le monde il est plus différent que tu penses. C'est pas comme toi tu l'envisages. Voilà. Je m'arrête. Je m'arrête ici.